Nous avons trouvé un camping au terminus de la ligne numéro 5 de métro, à peine 10 km du centre-ville. Ce qui va nous permettre d'aller arpenter la ville cette semaine très facilement en transport en commun. Alors, nous sommes dans le métro, on est à Madrid, et on a décidé d'aller au théâtre ce soir et d'aller voir le lac des Cygnes. On l'a pas vu. Et je pense que ça va être magnifique. Próxima estación, El Carmen. Donc au théâtre ce soir, c'est le lac des Cygnes. Bonsoir. Nous retournons à notre camping, ravis du spectacle que nous avons vu. Le lac des Cygnes est vraiment magnifique et les rues de Madrid de nuit sont aussi magiques. Voilà la bouche de métro. Le métro de Madrid est vraiment accessible. Il y a 60% des lignes qui sont équipées d'ascenseurs et nous permettent d'aller à peu près partout en ville. Le lendemain, nous décidons de prendre de la hauteur pour admirer les parcs qui entourent la ville. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du centre-ville de Madrid en revenant dans le quartier de Chueca. Petit quartier plein de concept stores, de restaurants. Nous étions là hier soir à la boutique hôtel Only You pour prendre un verre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le marché San Anton qui a un rooftop avec un restaurant très prisé à l'heure de l'afterwork. Et sur ces étages en dessous, des shops où on peut déjeuner. Nous en profitons pour acheter quelques produits frais pour notre dîner de ce soir. Et ce soir, on a décidé de se faire une petite soirée popote, puisque demain, on va recevoir de ma mamie Pierre et Catherine, donc de la famille de Cyril, à déjeuner. Et on leur prépare un petit plat comme on aime bien faire. Donc les pommes de terre sont cuites, les haricots blancs sont en train de finir de cuire. On va faire mijoter le porc après.
Et pour nous, ce soir, on avait décidé de faire des sardines grillées. Voilà, accompagnées de petites pommes de terre. Alors, de nuit, c'est pas toujours très évident, mais regardez. Hop, je pense qu'on devine un peu Cyril quand même. Le camion a de l'éclairage. On est plutôt bien situé dans notre camping. Ça promet d'être assez cool. On vous montre ça tout à l'heure. Bon, ben voilà. On a fini nos petites sardines grillées. On s'est improvisé notre petit plateau repas comme d'hab sur la plateforme. Et on se régale. Bon appétit. Ça y est, nous voilà samedi midi. Nos amis sont arrivés. Enfin, la famille Thierry plutôt est arrivée. On est installés au soleil. Notre petite popote finie de mijoter. Et nous allons profiter de cette très belle après-midi pour aller visiter Madrid et faire quelques expos. Nous avions repéré sur la route Celicioso, une pâtisserie sans gluten, sans lactose, sans sucre, végane, pour mon plus grand bonheur. La plus grande compagnie espagnole de téléphone propose une exposition gratuite sur l'histoire du téléphone et également sur les robots. Le bâtiment est situé en plein centre-ville de Madrid. Il est magnifique, ça vaut vraiment le détour et il est très accessible. Une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. On a passé une semaine à Madrid, donc on est arrivé dimanche dernier dans la nuit. Écoutez, la météo cette semaine s'est un peu améliorée, il fait un peu moins froid, du soleil, donc ça nous a un peu aidé aussi à avoir les choses en couleur. Voilà, là on est dans le parc El Capriccio, qui est un des plus jolis parcs de Madrid, qui est à 100 mètres de notre camping. On ne savait pas, on a pris ça hier, du coup c'est pour nous l'occasion d'y faire un petit tour. C'est fort agréable en cette fin de dimanche après-midi. Donc on voulait vous parler de la suite des événements. On va récupérer nos passeports demain, si tout va bien, à l'ambassade. Voilà, c'était important pour nous aussi de vous remercier profondément de tous les messages hyper chaleureux que vous avez postés suite à notre vidéo un peu de détresse de la semaine dernière. Ça fait vraiment du bien. Effectivement, ce qui ne tue pas rend plus fort. Il faut continuer à voir la vie en rose. Enfin, vous avez envoyé plein de belles pensées. Ça nous a inspiré aussi, ça nous a motivé. Ça nous motive à continuer à faire des vidéos, même si on n'a plus tout le matériel qu'on voudrait. Et à partager notre voyage avec vous le plus possible. On profite vraiment d'une très belle balade au sein du parc El Capriccio.
qu'il y a plein de monuments, des statues, des beaux jardins, et on a en plus un petit rayon de soleil. Le vrai bonheur. Suivez la suite de nos aventures sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube.